Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène avec moi dans un nouveau vlog spécial organisation, rentrée, quand je rentre de vacances, etc. J'ai passé ces dernières semaines pas du tout chez moi, puisque j'ai été au Portugal, j'ai été en Corse, après j'ai été 2 semaines à Bordeaux, je suis revenue quelques jours à Paris, je suis repartie 15 jours à Bordeaux, entre temps je suis allée en Bretagne. Bref, j'ai pas mal bougé et ça m'a fait un bien fou. Là je suis prête à attaquer la rentrée, mais du coup ce que j'ai arrangé souvent c'est ma valise et mon sac à dos, genre vraiment meilleur achat ever. C'est pas le truc le plus esthétique ou quoi, mais c'est tellement pratique parce que je mets tout ce qui est appareil photo, ordinateur et tout. Donc je vais ranger ça et ensuite va falloir que je fasse une machine, voilà, ça c'est vraiment le classique quand tu rentres chez toi des vacances et que tu fais des lessives. Donc c'est parti. Lire en ce moment Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin et franchement il est top, j'en suis qu'à la moitié mais je l'ai dévoré ces derniers jours quand j'étais en vacances etc, et franchement il est trop cool. Si vous voulez vous remettre à la lecture, c'est assez facile à lire, c'est captivant, vous avez toujours envie de lire la suite et je trouve que c'est hyper important dans un livre, c'est que ça donne envie parce que parfois il y a des livres qui sont longs, chiants et ça peut un peu te dégoûter de la lecture. Mon téléphone, désolé. Donc du coup voilà, je vous le recommande. Donc là j'ai vidé mon sac à dos, j'ai pris une valise cabine mais je ne sais pas comment je me débrouille à chaque fois que je reviens de chez moi à Bordeaux. Enfin que je reviens de Bordeaux, j'ai toujours 1 million d'affaires. Donc là, c'est ce que j'avais, c'est ce que j'ai mis au dernier moment ce matin, mon pyjama. Ma mère m'a donné ça, c'est une gourde Tefal qui a l'air très pratique puisqu'elle garde le chaud et le froid. Et j'avais pas de gourde, la mienne elle était cassée et tout. Donc voilà, elle est trop bien puisqu'elle a l'air de bien fermer. Enfin voilà, et là tu peux boire. J'aime trop les embouts comme ça parce que je trouve que t'as plein de gourdes qui sont trop chiantes. Genre dès que tu fais comme ça, ça coule partout. Et du coup celle-ci, elle se ferme bien comme ça. Voilà, ma mère c'est inspecteur gadget. Elle a toujours 1 million de trucs à me donner. Enfin bref, du coup tout ça c'est ce que j'ai mis au dernier moment. Donc je vais mettre ça à la machine. J'ai mon démaquillant, mon protecteur de chaleur, enfin vraiment c'est un peu le bordel. Bon, je suis en train de me faire à manger, il est midi 52, donc ça fait à peine une heure que je suis rentrée. Le truc que je fais chez moi, c'est aller récupérer mon courrier. Là, c'est le guide des associations du 10e arrondissement. Ça, c'est très cool, c'est très très cool. Je vais me renseigner pour voir si parfois je peux pas... faire du bénévolat et tout. C'est vrai que depuis que je suis à Paris j'ai pas eu l'occasion d'en faire, donc ça serait cool. Ensuite j'ai eu un courrier de mon école qui est d'ailleurs l'école PPA Business School. Si vous voulez, à la fin de mes études je vous ferai un bilan de ce que j'en pense et tout, mais là du coup j'ai fini ma 3e année. Je crois d'ailleurs que c'est mon bulletin parce que oui, j'ai validé mon année, je suis trop contente. Et je rentre du coup en master, en première année master cette année. Du coup comme je vous disais, j'ai validé mon année et en plus avec les félicitations du jury je suis arrivée première de ma promo. Vraiment je ne dis pas ça pour me la péter ou quoi que ce soit, mais il faut savoir que je n'ai jamais été la première de la classe, genre j'ai toujours été dans les moyens, genre vraiment. Du coup genre un petit message pour vous dire que quand vous avez choisi vos études, enfin quand vous faites vraiment quelque chose qui vous plaît, ça change tout. Et que parfois tout ce qui est collège, lycée et tout, je déteste les notes. J'ai jamais compris comment tu pouvais noter quelqu'un que par des notes parce que ça te met une pression. Enfin, on juge un élève par des notes et je trouve ça trop triste. Bref, mais du coup, j'ai fini avec 15 de moyenne, donc je suis contente. Et je me dis surtout que je n'ai pas travaillé pour rien parce que vraiment, cette année a été très compliquée entre le confinement, les cours à distance, l'alternance. C'était la première fois que je faisais l'alternance, donc c'était dur de trouver mon rythme et tout. Mais voilà,
c'est fait, donc je suis contente. Ensuite, un autre courrier, ça c'est de mon alternance, tiens, en parlant du loup, de mon ancienne alternance du coup, parce que j'ai fini. Super important, enfin, j'ai l'impression d'être votre mère quand je dis ça, mais c'est hyper important de garder tous vos papiers, tout ce qui est fiches de paye et tout, parce que après pour le Pôle emploi ou quoi, bah ça sert, même pour la retraite surtout. Donc du coup, je vais ranger ça dans mon petit dossier. Du coup, ce que je disais, c'est que vraiment niveau organisation, pendant très longtemps, j'étais minable. Mes papiers étaient à droite et à gauche. Bon, c'était surtout mes parents, je vous avoue, qui gardaient mes papiers. Mais du coup, je me suis acheté ce petit trieur-là chez Emma. Bon, il y a un bout de temps maintenant, mais je pense qu'il doit y être encore. Et du coup, je range au fur et à mesure, à chaque fois que j'ai mes fiches de paye et tout. Et voilà, c'est très très pratique. Et comme ça, t'as pas besoin de chercher tes papiers n'importe où. Ils sont tous centrés au même endroit. Et après tu tries, genre moi j'ai une catégorie fiche de paie, une catégorie école, une catégorie papier important et une catégorie ordonnance et tout, enfin bref. Voilà, c'est très pratique, c'était les conseils organisation de Mélissa, on adore. Bref, du coup là je me fais chauffer un petit steak végé, enfin c'est ça là, de chez Céréales Bio, c'est orge et boulgour au chèvre miel. Et je vais me faire des petits haricots coco à la tomate. Et voilà, parce qu'il est déjà 13h. Ça passe vite. Je sors de la douche, ça fait trop du bien de se laver les cheveux et tout. Surtout après un trajet en train, etc. J'applique mon protecteur de chaleur, le Unique One à la noix de coco, le meilleur. J'aime bien le rouge aussi, mais là la noix de coco, ma passion. Ça me rappelle un petit peu les vacances. Du coup là faut que je me dépêche un peu parce que il faut absolument que j'aille faire mes ongles. Le truc tu sais comme si c'était urgent. En fait ça fait je crois 5 semaines que j'ai ces faux ongles là et je commence à me faire super mal, vous savez. En vrai si vous en avez déjà fait vous allez totalement comprendre ce que je veux dire, mais quand vous tapez quelque part et tout le truc se décolle un peu. Et du coup ça fait mal. Du coup là je me mets ma crème hydratante, c'est celle de chez Fresh. C'est celle-ci, elle est vraiment trop bien. Et ce que j'aime bien faire en ce moment, vu que bah, je commence à débronzer et tout, pour garder un effet bonne mine, c'est que je mets, j'en ai partout, c'est que je mets le self-tan de chez Clarins. En gros, vous mettez juste 2-3 gouttes à votre crème hydratante, surtout n'en mettez pas plus et surtout tout le temps mélangez à une crème. Ne n'appliquez pas ça sur votre visage directement parce qu'après ça vous faire des traces, donc c'est pas l'idéal. Et voilà, bon après rien de plus simple, mais franchement c'est trop bien, ça fait pas, en fait c'est un auto-bronzant mais ça fait pas orange ou quoi, ça fait vraiment hyper naturel. Ensuite, je suis désolée vous êtes un peu bancale, oupsie, je vais pas me maquiller ni rien, mais j'applique juste la CC Water de Cherboyant. Je ne l'ai jamais testée donc je vais la tester avec vous en direct. C'est vrai que d'habitude moi je mets la... c'est les bébés ou les CC crèmes de chez Herborian, enfin vraiment les basiques que j'adore. Mais là j'avais envie de tester un truc encore plus light que ça. Et un truc qui fait vraiment teint frais, surtout là j'ai très peu dormi donc... oh j'adore. Regardez. Regardez s'il y a des petites bulles. Alors déjà l'application c'est très facile. De toute façon tous les produits Herborian j'ai l'impression qu'ils sont trop simples d'utilisation, enfin vraiment... Ce que j'aime trop c'est que tu peux l'étaler avec tes mains, t'as pas besoin d'utiliser un pinceau, enfin bref, trop cool. Bon, je ne sais pas si on verra une différence. Moi je vois rien parce que j'ai que mon retour caméra, j'ai pas de miroir là en face de moi. Et voilà, fin de la routine, c'était très court, mais vraiment comme je vous dis, j'ai pas envie de me maquiller, je me maquille de moins en moins d'ailleurs. Et je suis bien mieux comme ça, bref, je vais m'habiller et go aller se faire les ongles. Bon, pour mon look du jour, j'ai mis une petite chemise blanche vraiment basique. Un jean qui vient de chez Another Stories. Attendez, je vais essayer de mieux vous le montrer. Donc en fait, je l'ai retroussé comme ça. J'aime bien. Et voilà. C'est vraiment un petit outfit très tranquille. Juste pour aller se faire les ongles et après faire des courses. À tout et des gros bisous. Hello, bon je rentre des courses du coup, je suis allée faire mes ongles aussi. J'ai fait quelque chose d'assez simple, vu que je reprends le travail et tout, je voulais pas quelque chose de très sophistiqué. Du lait de soja à la vanille, du jus d'orange, je l'ai testé chez ma grand-mère celui-ci et il est très très bien niveau compo, genre vraiment, et il est très 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 bon. Genre il y a que du jus d'orange dedans, il n'y a pas de sucre ajouté, donc trop cool.
un potimarron, ça y est, c'est la saison là, genre c'est l'automne qui arrive, soupe maison, d'ailleurs je vais en faire une ce soir. Du coup je vais faire potimarron, j'ai acheté des croutons à l'ail, c'est trop bon. Des compotes Androse, celle-ci c'est pommes fraises sans sucre ajouté. Ensuite de la crème fraîche pour mettre dans la soupe. Ensuite j'ai acheté des fruits, donc j'ai acheté des pommes et des raisins, c'est tout ce que j'ai acheté. Voilà. Là les sachets comme ça je les garde et je les réutilise à chaque fois. J'essaye quand j'oublie pas parce que pour recycler. Ensuite carottes, je vais faire petit marron, carottes, j'ai acheté un oignon et j'ai acheté aussi des pommes de terre. Donc voilà comment va se faire ma soupe. Et j'ai acheté du chocolat noir pour le matin, mes flocons d'avoine. Donc voilà, j'ai pas acheté grand chose, c'était vraiment de quoi petit déjeuner demain matin et manger ce soir et tout. J'avais envie d'une soupe vu qu'il fait un peu frais et tout. Donc je vais ranger tout ça. Et puis voilà, après je pense pas vlogger le reste de la soirée, je vous retrouverai demain. Tout simplement parce que je vais rien faire de particulier. Et ouais, je pense que je vais faire ça.